Et yo Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo, on va parler ensemble du cas de Vinicius au Real Madrid, un petit peu comme je l'ai fait ces dernières semaines avec les dernières vidéos sorties sur Valverde ou Lucas Vazquez par exemple. Et d'ailleurs, je compte en sortir d'autres sur tous les joueurs du Real Madrid dans leur ensemble, du coup pour analyser le cas de chaque joueur et leur passage au Real Madrid, en comptant bien sûr leur évolution, ce qu'ils ont apporté et ce qu'ils pourront en tout cas faire de mieux pour progresser. Du coup, tu devines forcément que c'était supporter du Real Madrid vu toutes les vidéos que j'ai fait sur le Real, et vu que je suis un supporter du Real, t'es tombé au bon endroit. Et si aussi par hasard tu supportes le Barça, l'Atlético ou n'importe quelle équipe en Espagne, je fais aussi beaucoup d'analyses de ces équipes là, du coup n'hésite pas à t'abonner, t'es au bon endroit poteau. Et du coup, pour revenir sur le cas de Vinicius qui est quand même hyper intéressant, on a un joueur aujourd'hui les amis qui est ultra critiqué de la part de la presse, des supporters madrilènes forcément, vu que en tout cas le joueur malgré son potentiel n'arrive pas à être régulier, n'arrive pas à être ultra performant à tous les matchs, il n'arrive pas à être décisif dans les passes D, dans les buts et dans ce qu'il peut apporter ballon au pied ou sans ballon. C'est un joueur qui n'arrive pas à satisfaire toutes les attentes placées en lui de la part du club, de la part de son entraîneur, des supporters mais aussi de ses coéquipiers, un petit peu à l'image de Benzema qui arrête pas de souffler ou lever les bras quand il rate un truc, ou même de Kroos par moment quand il le regarde. On a un joueur qui, même s'il est très jeune et qu'il arrive encore plus jeune bien sûr à l'été 2018 dans un Real en pleine transition après le départ de Ronaldo et de Zizou, c'est un joueur qui de base avait apporté de la fraîcheur, qui est arrivé avec des rêves plein la tête, avec les étoiles plein les yeux, qui voulait remporter plein de titres et s'imposer dans le meilleur club du monde, parce qu'il savait qu'en remportant plein de titres et surtout en jouant bien dans le meilleur club du monde, bah il allait bien faire son palmarès au niveau national en Espagne, au niveau européen pourquoi pas avec la Champions League, sans compter les super coupes d'Europe, mondiaux des clubs, etc. Il allait surtout s'ouvrir les portes de la sélection brésilienne avec toutes les compétitions qui arrivent comme la Copa América et la Coupe du Monde dans les prochaines années. Donc on a un joueur au début qui était pas, tu sais, qui était pas encore en confiance, qui jouait pas avec Lopetegui, qui avait du mal à faire quelques apparitions. Une fois que Solari est arrivé, bah il lui a donné sa chance, il a surtout apporté une nouvelle dynamique, de la concurrence à un effectif offensivement qui en avait bien besoin, qui avait énormément de lacunes. Ronaldo est parti, il a laissé un vide mais absolument abyssal, parce que Benzema, Asensio et à l'époque je sais plus que c'était offensivement Lucas Vazquez qui n'arrivait pas en tout cas à combler depuis le départ de Ronaldo. Du coup Vinicius a apporté autre chose, il a apporté de la vitesse, de la vista, de la percussion, il a su en tout cas élargir le jeu en collant la ligne, il a su faire les bons appels pour apporter de la profondeur au jeu du Real Madrid qui en avait bien besoin. Sauf que déjà les premières critiques ont commencé à pleuvoir, parce que le mec au niveau de la finition et des passes D, du coup donc le dernier geste dans la surface, il était absolument à la ramasse déjà à ce moment là, il avait aussi beaucoup de déchets dans son jeu et quand il défend il faisait beaucoup de fautes. Tout ça c'est exactement la même chose encore aujourd'hui, d'où le fait qu'il était critiqué, mais n'empêche que pour son jeune âge et son manque d'expérience, il apportait de la fougue et de la jeunesse qui était en tout cas une soif de titre qui était hyper intéressante, une nouvelle dynamique qui était nécessaire dans un Real Madrid en pleine transition. Parce qu'il faut pas oublier que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions à l'époque, c'était lui limite le plus dangereux sur le terrain. Il avait une bonne complémentarité avec Benzema, ils arrivaient en tout cas bien à se trouver, il libérait pas mal d'espace pour Benzema et inversement, ce qui donnait lieu quand même à beaucoup plus d'occasions quand Vinicius était sur le terrain que quand Vinicius n'était pas là. Et aujourd'hui, les critiques envers Vinicius sont exactement les mêmes. On a un joueur en plus qui n'est pas titulaire indiscutable, qui du coup a du mal à retrouver de la confiance. Et justement, je vais parler de la confiance parce que ça me sert de transition à ce que mon propos d'après. Aujourd'hui, Vinicius a fait une sorte de documentaire sur ses réseaux sociaux appelé Vini for Real, dans lequel, si je dis pas de bêtises, il relate un petit peu tous les faits autour de sa carrière professionnelle et notamment son parcours au Real Madrid depuis qu'il est arrivé, sur l'exigence du club, la pression, sa place dans l'équipe, ce qu'il peut apporter et tout ça. Et en fait, à un moment, du coup, au dernier épisode, qui est donc le 8e, il a commencé un peu à pleurer et demander au producteur de stopper le film, parce qu'en fait, ils lui ont rappelé, du coup, enfin, ils lui ont demandé qu'est-ce que tu pensais à l'époque de ta blessure contre l'Ajax Amsterdam en 2018, en Ligue des Champions, enfin 2019, pardon. Et il a dit, c'était très compliqué, c'était un des pires moments de ma carrière, si ce n'est le pire moment de ma carrière. Et il a commencé à sangloter, à pleurer et tout, il a dit, je peux pas continuer. Et là, du coup, cet élément-là, en fait, montre pour moi un avant et un après pour Vinicius, avec une fébrilité, une fragilité mentale qui du coup s'est révélée aujourd'hui, hein, parce qu'on savait pas qu'il était autant touché que ça par rapport à ça. Une blessure qui l'a un peu traumatisé, parce que comme je l'ai dit avant, avec Solari il avait trouvé régularité, temps de jeu, il marquait un petit peu des buts, quelques passes D, provoquait des pénaux, et en tout cas défensivement, il faisait quand même des efforts, tu vois, c'était pas le meilleur mais il faisait des efforts. Et aujourd'hui, enfin du moins à l'époque, contre l'Ajax, il était vraiment en plein boom, c'était lui le plus dangereux avec Benzema, et avec lui on avait vraiment le facteur X pour se qualifier. Au final le mec
fauché en plein vol dans sa progression et son temps de jeu. Il finit blessé, forcément quand t'entends à gauche à droite qu'un tel s'est fait les croisés, fracture de la jambe, fracture du genou, bah quand t'es un jeune joueur qui s'est jamais blessé de sa vie, bah forcément t'as un petit peu peur de connaître le même destin, tu viens à peine d'arriver dans un grand club, tu dis que les portes du Brésil elles vont s'ouvrir et tout ça, et que d'un seul coup, boum, tu peux peut-être avoir les ligaments croisés, perdre ta carrière, et c'est quand même dommage. Parce que dans le football, tout va très vite, t'es autant en haut d'un jour que tu peux être hyper en bas l'autre jour, surtout dans un club comme le Real Madrid qui a les moyens de recruter des joueurs de classe mondiale comme Hazard et tout ça, où tu peux être très vite remplacé si t'es mauvais et très vite vendu dans le pire des cas si t'es encore plus mauvais que mauvais. Et franchement, il avait, je pense, de manière justifiée, peur de se blesser pour une trop longue durée, il a quand même raté 2, 3 ou 4 mois si je dis pas de bêtises, et il avait eu beaucoup de mal à retrouver le bon rythme et le même niveau de jeu avec Zidane quand il a remplacé Solari. Donc voilà, je pense qu'après entre le manque d'expérience, le fait que son jeu de base était brouillon mais après sa blessure c'est pas amélioré, le fait après qu'il a eu du mal à retrouver du rythme, aussi il a dû prendre du physique, du coup avec des entraînements bien spécifiques qui ont été très durs pour lui vu qu'à l'époque il était extrêmement maigre et extrêmement fin, du coup aujourd'hui il est quand même un peu plus musclé qu'avant, il est plus athlétique qu'avant, du coup aussi l'exigence d'un club de haut niveau par rapport à ce qu'il a connu avant, c'est un gouffre qui est abyssal. Et en fait, je sais pas, la pression aujourd'hui, il la ressent encore plus par rapport à l'attente du public, du club, qui en attend peut-être plus d'un joueur qui a le potentiel simplement de faire plus. Et c'est pour ça aujourd'hui que justement, il tremble un peu, peut-être un peu plus, il prend moins de risques et surtout l'appréhension de se reblesser aussi, hein, ça existe. Peut-être qu'un petit peu tout ça, ça représente tous les facteurs mentaux qui impactent sur son physique. Et je le rappelle, pour n'importe quel individu ou un grand sportif, le mental prime sur le physique. Si le mental ne suit pas, le physique non plus. Après, aujourd'hui, c'est sa troisième saison. Donc du coup, le problème de l'adaptation, en général, il est réglé. Il est parfaitement intégré à l'effectif de l'équipe. Quand tu parles aussi forcément de rééducation de blessures et d'appréhension post-blessure pour pas rechuter. Là, je suis désolé, ça fait plus de un an et quelques du coup qu'il est plus blessé. Donc normalement, je dis bien normalement, il devrait plus avoir cette appréhension-là. Devrait dribbler comme avant, rentrer dans le tac comme avant, accélérer comme avant, comme on le voit en tout cas dans les derniers matchs. C'est juste un joueur qui doit aujourd'hui apprendre à avoir plus de sang-froid, avoir plus de lucidité dans le dernier geste, parce que si jamais il se mettait à être régulier dans les buts et les passes décisives, là on aurait vraiment un joueur monstrueux qui exploserait, et pour moi, il est largement derrière dans la hiérarchie qu'un Rodrigo qui profite plus en tout cas du temps de jeu qui lui est accordé pour briller et être surtout excellent et décisif. Après là, il y a aussi le fait qu'à l'époque, il devait être sélectionné pour le Brésil, il avait raté le Brésil, puis il a pu être sélectionné un peu plus tard, mais en ce moment dans les listes, il alterne avec Rodrigo les sélections ou non-sélections. Forcément, ça joue peut-être un peu sur son mental, où tu dis que j'étais un joueur jeune qui peut apporter plein de qualités, de compétences et de concurrence, qui apportait une nouvelle dynamique à une équipe, il y avait toutes les portes de l'Europe et du monde qui allaient s'ouvrir, pour que d'un seul coup, avec une blessure, tout se referme et que tout doit repartir à zéro, avec de la confiance, du temps de jeu, de nouvelles arrivées avec laquelle du coup je vais devoir lutter pour commencer à rejouer, c'est quand même compliqué pour un jeune joueur. Après, il y a aussi le problème technique, le mec met dans une ligne droite, il va pousser son ballon beaucoup trop loin, au dernier moment, au lieu de faire une petite passe, il va essayer de faire un grand pont ou un dribble de trop, il va perdre le ballon, après des fois il va glisser, il va tomber, devant la cage, il arrête toujours pas de trébucher, de se jeter, il rate les ballons, à la fin, tu dis, c'est quand même plus un hasard si le mec, il est remplaçant, et si vraiment il est pas assez bon, et ben on sait quoi faire avec lui. Enfin voilà les amis, je pense en tout cas avoir fait le tour de Vinicius, ce que je pensais de lui, en tout cas je pense que c'est un joueur qui veut nous apporter énormément en vitesse sur un côté avec bien sûr de l'explosivité comme on le connaît. Il faut gérer juste qu'il ait un déclic pour être aussi bon que Benzema devant la cage et pourquoi pas être un aussi bon joueur d'équipe que Benzema, savoir faire le bon geste au bon moment, dribbler quand il le faut, tirer quand il le faut et faire la passe quand il le faut. En attendant les amis, je vous laisserai me donner tous vos avis sur Vinicius dans les commentaires. Je vous laisserai également vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid et en général le football ou le football espagnol. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous bien sûr à tous mes réseaux qui s'affichent ici pour me parler en dehors des vidéos. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.